Les Guerrières face aux Gazelles, acte 2, 31 points à remonter pour les Latoises à l'extérieur. Ça paraît quasiment mission impossible, mais on le sait, Angelo, dans le sport, rien n'est impossible. Alston, tout de suite, qui s'élève à 0 degré l'américaine. Garance Rameau. Bien. Tout de suite, Tijoubit sur Jenkins. Voilà, ça, c'est une bonne entame de match pour les Gazelles. Jouer, se passer, prendre des tirs en première intention. C'est bien fait, l'Audinègre face à Jeannette Salin. 7-0 déjà pour le BLMA. Diaby face à Rameau. Ouais, encore la relation, cette fois-ci ça marche et cette fois-ci ça entre. Mounounga, les premiers points des Guerrières ce soir. Et vous m'en voulez plus pour les erreurs mathématiques. Alston. Hey, magnifique ça, l'américaine. Pour enchaîner, le rebond de Jeannette Salin, autoritaire sur la tête d'Alicia Jenkins. Diaby face à Nègre. Diaby qui continue son chantier. Nègre qui trouve Rameau, la bonne coupe de Garance Rameau, oui. Avec la faute. Ça se projette vite, hein, côté Montpellier. Ah, elles sont... Voilà. Oh, Romane Bernier peut-être pour la première flèche. Ouvert, évidemment. Ouais, mais au-delà des chutes ouvertes, comment ça... Oh là là, voici là. Oh là là. Eh ben allez, les deux meneuses qui s'illustrent. Caro qui répond du tac au tac. Hampton, Hampton sur la tête d'Elodie Nègre. Écoutez. Comme je vous disais, c'est ce qu'on s'attendait à voir. Alors qu'il y a le one, le petit flotteur et la faute en prime. Activité défensive là. La bonne passe. Touré et Roman Bernès. Et encore, encore une phase de transition, encore une contre-attaque. Il y a Ross Rameau, le N1. Oh là 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 là, les Montpellierennes. Des intentions. Alors pour ici le coup, au Palatium. Pour alors, le coup, Lucien, Rachid Méziane très très mécontent. Ouais, Smalls en échec et Jenkins. Ce qu'elles doivent proposer sur le terrain et pour l'instant c'est parfait. Jenkins peut-être pour le deuxième. Panier bang. Consécutif. Bang. Bang. Oh là 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 là, 14 points. Encore le stop défensif. Jenkins, ça joue vite. C'est terminé ce premier carton. Incroyable Latoise, 14 points d'avance au Palatium. Smalls, Smalls à 3 points. Il doit être presque. Oh que c'est bien fait! Oh que c'est bien fait! De la part Hampton qui a de Hampton. Avantage de taille, avantage physique. Eh ouais, forcément c'est dur à la retenir pour Garance Rameau. 7 points pour Keisha Hampton. La reprise. Kariata Diaby à 0 degré. Oh là 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 là. Et le trash talk. 3 contre 2. Allez, Roman Bernès à 3 points, bien sûr. Jeannette Salin. Oh, qui prend le cheveu sur la tête. De Mia Touré. Aïe aïe aïe. 4 contre 2, faut donner à gauche. Allez, il faut voilà, bien l'exploiter. Mia Touré, super. Voilà. Caroline Herriot, oh, qui retrouve un peu d'adresse. Et Herriot qui se faufile. On est à 15-10 hein, pour l'instant sur ce deuxième. Ah ouais. Il suffisait que Kariata Diaby prenne le ballon dans les mains pour me faire mentir. Alston, toujours 8 points d'avance. Amérist Alston qui redonne. Elle est 10 points d'avance à l'AC Montpellier. Alston. Alston intenable, oh, Lucien. Là, là, là. Amina Tagay, la nouvelle recrue en provenance du TMB qui s'est parfaitement adapté à la LFB. Le toucher longue distance. Oh là 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 là. Oh là là. Est-ce que ça va être accordé? Bien sûr, oui, bien sûr, sûr, c'est accordé. Allez, Lizo Mbaka. Lizo Mbaka, 3 points. Mbaka, elle va devoir shooter très vite, elle prend le shoot et c'est manqué. On finira là-dessus, 47-41 pour la Montpellier. Jeannette Salin, mais qui a gobé 5 allez, rebonds. Hampton, elle par contre, elle continue d'artiller. Roman Bernès, bien contesté, regardez cette agressivité défensive et c'est Jeannette Salin qui va finir le travail. Villeneuve d'Ascq est à un petit point des Gazelles. Bonne défense.
Alston qui est passé, la main droite. Et 15 points en jeu pour Aberyst Alston. Chanel Salah, voilà, qui a fini par se régler. Diaby, ouais, Diaby, et bien là, évidemment, ça fait panier. Notamment le titre en LFB et l'Eurocoupe en 2022. Alston qui continue son petit festival. 17 points, 18 points même pour Alston. Diaby, ouais, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, c'est inarrêtable. Allez, Aminata Gueye. Oh là là, oh, elle vient de mettre à terre Mignat Touré. Et elle arrive à prendre son propre rebond. 59-54, Roman Berniès peut-être pour redonner un peu de rythme. 3 sur 5, longue distance pour Roman Berniès. Smalls peut-être. Très bien, voilà, Camille Smalls. Tire. Allez, Elodie Nègre, on sait qu'elle est capable de prendre ses shoots. Voilà. Ouais, cette passe de Linsken, Alston qui s'est retourné. Oh là 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 là. Herriot. Oh, et la capitaine. En LFB, Iso Mbaka qui vient pénétrer cette défense de la Montpellier. 69-62. Les guerrières sont passées devant Angelo dans ce troisième quart-temps. Allez, Carlos Rabo, la remise en jeu. Finir sur une bonne note ces playoffs cette saison pour les gazelles, c'est l'objectif. Bonne passe. Allez, Joao Mbaka, ça s'est parfaitement décalé et c'est mérité, l'action de grande classe des guerrières. Oh, Caroline Herriot, du retour sur les parquets. Ouais, blessure à la cheville, Zelous. Elle, par contre, tout va parfaitement bien pour l'américaine. Allez, Aminata Gueye en tête de raquette. C'est manqué, ça lui retombe dans les mains, le rebond offensif avec le plexi. C'est très américain, hein, vous savez, c'est la culture. Oh, l'énorme contre! Et le banc. Ouh là 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 là! Et le banc de Villeneuve-d'Ascq qui s'est levé. Et Charlotte Abraham encore! Le shoot. Oh, énorme! Charlotte Abraham, s'il vous plaît! Profitez des derniers instants. Le shoot de Camille Smalls. Ça tombe dedans, évidemment. Et elle se retourne. Et c'est Smalls au rebond. Allez, les dernières secondes. Le shoot du milieu de terrain. Oh! Camille Smalls! Qu'est-ce qu'elle vient de nous faire? Le shoot du milieu du terrain. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Aïe, aïe, aïe. 103 points pour Villeneuve-d'Ascq. La qualification finale. Oh là 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 là, celui-là, Angelo, le shoot des playoffs. C'était la cerise sur le gâteau. Incroyable. 103-67.